Eh bien salut à tous, c'est Agi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et donc on se retrouve pour le 29e épisode de notre série sur Pokémon Liquid Crystal. Donc depuis tout ce temps, non, il n'y a pas eu de changement, je ne crois pas, je vous laisse regarder au cas où. Mais je crois pas qu'il y ait eu de changement. Alors, vous vous en rappelez, on avait battu notre rival, Chaden, qui est mystérieusement réapparu, je pense que ça va être un bug du script. Et en plus, on peut le recombattre. Donc, ça va être... c'est pas mal, franchement, si vous voulez XP vos Pokémon, vous pouvez le combattre à l'infini. Ok, donc on s'en était arrêté ici. Je sais pas du tout où il fallait aller. Donc, je pense qu'il faut aller là-dedans. Bon, allez, on va voir. Je sais pas du tout où je dois aller. Ça, c'est la tour radio. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut donner une fréquence radio? Je suis directeur de la musique, hein. Je vais pas avoir des programmes. Il me faut une XPN card. D'accord, faut que j'en trouve une. Bon, on va chercher ça. Et une corde sortie, ok. Y'a pas un truc avec le vieux normalement aussi? Oh non, 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 non! Power plant Shadowin. Power plant Shadowin. Après tous mes efforts... Je suis ruiné. Ah, attendez. Quelle station? Quelle station, mec? Johto. Ok, donc il faut retourner à Johto apparemment. On va y aller tout de suite. Et on va aller à la station radio. Allez, vol. Direction League Pokémon. Ah oui, mon joli armure. On rentre. Et ce vieillard va pouvoir nous téléporter avec son psychoquack. Bon, normalement, c'est un Abra, voilà. Abra peut t'aider. Le mec, il a un psychoquack, mais bon. Et je retourne à ma maison. Et voilà. Donc là, il faut aller... Il faut voler et on va à Doublonville. Ah, la radio. À la tour radio. Parce qu'apparemment, il y a un problème là-bas. Allez, reviens à ta Pokéball, c'est bien. Et on va mettre... Jean Bonneau en premier. Allez. Ah, bouge-toi. Comme par hasard, quand je passe... Puis le moment, elle me fait chier. Bon, la tour radio, c'est ça. On y rentre. Hey. Mais il n'y a rien du tout. Et nous avons déjà fait la tour radio, alors qu'est-ce qu'il me parle? C'est... Il a craqué son slip ou quoi, là? Take une... Un stick. Please turn into me on Prof Oax Prof Talk Show. Faut aller retourner voir le professeur. Alors c'est quoi son ton stick? Ah non non non, Farfadèche, it was Farfadèche critique. Ah, c'est pour qu'un artichaut, ça lui permet de faire plus de coups critiques. C'est pas mal ça, même si c'est pas quand même inutile, mais bon. Do you listen to your music? Ouais. Si tu veux. Qui doit me donner une musique. Toi. Non. On va monter en haut. Le gros. Non plus. Toi. Toi, pépé. Tiens, Jito. Je sais, tu aimes les Pokémon. J'ai construit la tour radio exprès pour mon amour des Pokémon. En faisant tourner des programmes radio. Ok, tu m'aides vraiment beaucoup. Merci, monsieur. Le président. Et toi? Non plus. Connasse. Pardon. Toi. Ton quiz. Ah, peut-être faire le quiz. Bon, on va le faire, allez. Question. Pokémon, un jeu online in the morning. Mais no. Ok, j'ai perdu. On recommence. Je pense que c'est oui. Correct. Vous pouvez acheter une bicyclette à Smart. No. Quoi, c'est quoi Smart? Putain, fuck. Allez, yes. Yes. La TM02 contient Blizzard. Yes. En menant comme trace. Ah, Ottawa. No. Those like live in New York Town. Yes. Putain.
Eh, sérieux? J'ai vraiment pas de peau, hein. C'est toujours le contraire de ce que je pense. Les Pokémon sont capturables dans ce jeu. No. Quoi? Ok. Tous les Pokémon sont capturables dans ce jeu? Ah bon? Hein? Yes. Yes. No. No. Et yes. Voilà, merci madame. Une carte TV, ok. Ta gueule. Please, thank you for visiting vos radiateurs. Premier Ball. What? C'est quoi ce truc? Non, pas le thème. Une ball spéciale. Ok, c'est une honor ball. Welcome, ok. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas grand chose ici. Je suis venu pour rien. C'est pas grave. Attendez, il y a les sous-sols. Mais les sous-sols, je crois que ça a déjà été fait. Je crois que tout ça, j'avais fait en live déjà. Concernant la Team Rocket. Ah, bordel. Bon, on passe vite à lui. Dragon Breath. Voilà. Quand même, ils sont pas de grand niveau. Ok, on va là-dedans. Ah, c'est ici. Ok. Ouais, non, ici, y a plus rien. Je pense pas que ce soit ici. Là, je suis complètement paumé. Pourquoi ils m'ont parlé de tour radio alors? Sont pas un peu starbés de la tête. Pépé, tu peux pas m'aider. Non, ok. Bon, on va refaire vol, on va les retourner là-haut. Non, je me suis trompé. On va retourner là-haut. Allez, let's go. Vol. Ici. On va fouiller un petit peu partout. Hop, toi tu me dis rien. Toi tu me dis rien. Toi non plus. Ici. D'accord. Ah, je crois qu'elle apprend des attaques si on lui montre un Pokémon précis. Un starter, je crois. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah il y a Jaden ici. Bon, on va lui parler. Agito. Monsieur Fuji. Monsieur Fuji. C'est pas un expert en fantôme. Sifscope. Waouh! Tu as besoin de ça, Agito. Tiens, prends mes Sifscope. Merci. Le photon, c'est un petit peu. Un mystérieux Pokémon peut apparaître. Le Pokémon attaque. Ouais, c'est quoi? Oh! Oh non! Oh, Ectoplasma! Oh, génial! Ah bah, tu sais quoi? Hey, Thunder Rave, tu vas pas me faire chier. Voilà. Ah, Ectoplasma, ça c'est vraiment pas mal. Est-ce que je pourrais le remplacer contre un autre Pokémon? Je pense... Non. Non, bon, c'est pas grave, on le prendra pas. Même si j'adore ce Pokémon, on le prendra pas. Ok, Dragon Breath. Allez, crache-lui sur la gueule. Destiny Bond. Ok, il veut m'envoyer au tapis, j'ai pas intérêt à le tuer ce tour-là. De toute façon, nous allons pas le tuer, nous allons le capturer. Allez, avec une Ultra Ball. Ultra Ball, KO. 1, 2, 3. C'est perfect. Gadgetangerous coat. Pardon. Non, donne pas de surnom. J'ai aucune idée. Ok. Ouh. D'accord. Des escaliers sont apparus. Moi, bon, apparemment, c'était là qu'il fallait aller et pas à la tour radio comme un débile. J'étais à la tour radio. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas ici. Terraclope. Il y a l'air d'avoir de bons Pokémon ici, mais bon. On va vous éviter. Ils sont tout en haut, je crois. Super rappel. Voilà, on est tranquille. Pour quelques temps. Même si c'était pas loin. Ah! Je suis Monsieur Fuji.
Bon, je vous laisse un petit peu, hein, si vous arrivez à lire l'anglais. C'est tout ? On veut Radio Tower, on veut pick on the Radio Tower. Lavender Town est destroyed. D'accord. Maintenant, est-ce que je peux y aller? Est-ce qu'ils sont contents maintenant? Ah bah oui. Ah bah voilà, il est parti. Alors toi, normalement, tu dois me donner le... Ah non, tu me donnes du tout. Normalement, il y en a un qui me donne... Non, attends, faut que je te ramène un objet exprès. Non, non, mais tu me donnes l'expanded card. C'est peut-être toi. Ok, à tout radio, c'est ok. Ok. Ah, je peux encore monter, j'avais pas vu. On va parler à tout le monde. Respecte juste les équipements. Pas qui crache. Oh, il y a Elector. Je vais me faire agresser. Oh putain. Ah d'accord, Zado c'était Elector. Ah. Ah oui, j'en ai entendu parler qu'il se trouvait au-dessus de de cette tour. Clank. Please, excuse-moi. Ok. Alors les animations du policier sont vraiment pas mal. Hein. Transmission room. Ok, on peut pas. Bon, bah, on peut partir. Hein. Apparemment, il n'y a rien d'autre ici. Et... Oh non. Non, vous savez que je déteste ce type de merde, putain. Bon, tu sais quoi? On va laisser Jean Bonneau. Allez, on y va. Tais-toi. Vous commencez à me saouler, franchement. La team... Je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai l'habitude de play la team Wistiti, là. Notamment que les mecs ressemblent à des singes. Hey, Thunder Punch. Oh. Et même pas mort. Oh, guillotine. Joue pas le malin comme ça, toi. Allez. Un second. Thunder Punch. Alors, guillotine, il aura plus one shot. Ok. Et un petit vitesse extrême. Et on devrait finir avec ça. Sans trop de problèmes. Bien. Ok, ok, ok. Un lantern. Non, on ne va pas changer. On va te garder. Il va te lancer un Dragon Breath. C'est tout. Alors, lantern est un Pokémon qui a beaucoup de vie. Mais je crois que ses stats, sinon, sont vraiment un peu inutiles. Allez, Thunder Punch. Ah, ok, lui aussi, il a Volt Absorb. Bah, je savais pas. Je savais pas du tout qu'il avait cette capacité spéciale. On va appeler Fandy. Il va le battre au psycho. Dégage avec ton micro pump, putain. Attaque, Fandy. Merci. Encore. Merci. Oh putain, il a résisté. Et psycho encore. Voilà. Toi, c'est fait. On se casse. Putain. Oh les mecs, sérieux. Je veux voir ce qu'il y a à gauche. Bon, allez, on y va. Allez, c'est parti. Magneton. Ouais, bah, je vais devoir chercher Pokémon. J'ai pour le chouette. Et on va appeler Nocif. Let's go, Nocif. Il invoque une tempête sable. Putain, nous sommes déjà à 15 minutes de vidéo. On a perdu du temps quand j'étais à la tour radio aussi. Fire Punch. T'aurais le one shot. Vu ton attaque. Voilà, coup critique en plus. Bon, je pense qu'il mourrait quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il va appeler maintenant? Electrode. Non, on ne charge pas, on garde. D'ailleurs, je devrais apprendre séisme bientôt. C'est pas au niveau 61. Je crois que ça va être ça, niveau 61, on apprend séisme. Et Dynamic Punch. Au cas où, pour l'assommer. De plus, c'est une attaque très puissante. Qu'il en est mort. Coup critique encore. Bon. Là, j'ai un petit peu de chance. Allez, c'est bien. Dégage, dégage, dégage.
Tu me fais chier. Ok, il y avait rien. On l'a combattu pour rien, c'est pas grave. Putain. Allez, dépêche. J'ai pas que ça à foutre. Medina. Et on va te faire... Tiens, on va te paralyser. Ce sera déjà ça de fait. Tief. C'est pas un truc pour faire pour niquer l'objet, ça. Thunder Punch. On va pas lui faire super mal. En plus, il m'a fait intimidation. Donc on va lancer Dragon Breath. C'est un petit peu mieux, je pense. Oh bah oui, largement. Largement que c'est mieux. Bon, il le soigne, il fallait s'y attendre. Allez, un deuxième dragon, bref, et tu devrais mourir. Ou pas. Mais c'est pas grave. On va te lancer des extrêmes. Et en plus, il fait mal. Butter. Et la putain de bush. Allez, premier Pokémon mort. Et Jean-Bono, tu vas revenir. Hein. Tu as bien travaillé, tu vas revenir. Et on va appeler coin coin. Ah, décidément, j'arrête pas de tousser. Moi. Ok, trop bien. Bon, bah, déflagration. Qu'on échoue, déflagration, voilà. Vous pouvez pas résister, ça c'est sûr. Toi, je viens te sauver. Ok, le mec il me dit que la station radio elle est encore ok. T'es pas un peu con là? Oh oh. Bon, on avance vite. Oh, Junko. Ah merde, j'aurais dû changer de Pokémon. Bon, reviens. Et quoi, t'y vas. Bon, je vais pas faire super mal. Moi, tu fasses un petit coup critique. Maintenant, c'est bon. Lance-flamme. Oh putain, détection. Qui permet de se protéger tout comme abri. Ça me fait effective. Lance-flamme. Brûle dans les flammes des enfers. Comme tirait le Ghost Rider. Très bon film. Quoi, quoi, à Swampert. Non, on va pas changer, on va garder notre magma. Je reviens sur ce que j'ai dit. On va changer. Et on va appeler... on va appeler Rapace. C'est bien. Donc on va lui mettre des spikes. On continue. Bon, on fait un séisme. Bon. Il peut rien faire. Et un cyclone. Voilà, on lui met des dégâts dans la gueule, c'est gratuit. Et on va pouvoir appeler Nocif. En espérant qu'il ne fasse pas une attaque combat. J'ai misé qu'il fasse une attaque feu. Ok, vive attaque. Trop bien. Bon, cet épisode, je vais faire un petit peu plus duré que les autres, parce qu'on n'a pas fait grand chose. Et on va te faire un Rock Slide. Non mais mec, t'as pas mieux que Vive Attack. Mort. Coup critique encore. Notre nocif est en forme. Hein. Trois attaques que j'ai lancées, trois coups critiques. Et là, il rappelle son Lagrogne. Et on lui fait super mal avec les spikes. Crunch. Encore. Encore. Voilà. Et encore un critique. Et on monte niveau 58. C'est parfait. Allez, casse-toi. On change de Pokémon. Et on va mettre Speedy. Toi. Ouais, c'est bien. Toujours la même chose. Bon, là, il y en a deux qui discutent. Toi. Ok. Bon, on n'a pas le choix. Faut les combattre. Waouh. Autre attaque. Alors, lui, il ne rigole pas. Hein. On va te paralyser, tout d'abord. Pas qu'il nous emmerde. Voilà. On va mettre une petite danse pluie. Histoire que j'ai 100% de réussite avec Fatafoudre.
Et voilà, maintenant on va te lancer des petits coups de Fatal Foot dans la gueule et tu vas voir, tu vas souffrir. Putain, abri. À l'enfoiré. Allez, Thunder. J'adore l'animation de Fatal Foot. Vol. Bon bah, j'ai rien d'autre à faire, on va s'en vivre avec les mecs. Et on lance un Thunder. C'est fait. 3200. Wow. On change pas. Léviator. Alors lui, on va lui faire très très mal. Hein. One. Shot. Obligé. Obligé les one shots. Yes. Yes. Niveau 57. C'est parfait ça. Tout le monde peut prendre un niveau. Draconite. Alors toi, tu reviens. Et on peut peut-être mourir. Bon, allez, on va appeler Fanzi qui va faire un vent glacé. Et qui devrait, je pense, faire super mal. Vent glacé. Dragon Rage. Oh là, je crois que je suis mort. Ah bah non. Ah, j'aurais cru. Ah non, Dragon Rage, c'est un truc qui enlève 40 PV, je crois. Tu vas revenir. J'ai pas le choix. Et on va appeler Coin-Coin. Tu vas nous faire des... Thunder Punch, voilà, je cherchais. Ok, déflagration, on va la foutre. Thunder Punch, il m'a tué, ok. Rapace. Gestil Swing. Encore. Allez, mon rapace. Voilà. Putain, c'est fait. Putain. Ah, merde. Quoi? Jamais. Quoi? Ah, ce que je sème le trouble, en fait, dans leur team, et ça, ils sont pas contents. Ouh. Eh ben, laisse-le, gars. Hein. Manectrique. Ok, Dynavolt. Eh bien, tu veux jouer foudre contre foudre? Nous allons jouer. Et je vais faire Ray Dance. Alors j'espère qu'il n'est pas Volt Absorb. On va essayer. Eh ben non, c'est bon. Je pense que lui nous paralyse au contact. Ah bah c'est parfait, si nous l'avons paralysé. Tu vas revenir. Putain, on va soigner avant. On va soigner. Potion, super potion, putain, j'ai que ça. Fanzi. Vas-y, je m'en fous, charge-toi. Jean Bonneau. Désolé, Inspeedy, tu vas devoir te sacrifier. Encore Fanzi. Et Jean Bonneau. Et là, ça devrait être bon. On va appeler Jean Bonneau. Ah, puis il se charge. Donc, j'ai. Faut que je fasse gaffe à pas recevoir son attaque dans la gueule. Et on fait un Dragon Breath. Ok. Il est paralysé. Et mort. Non. Electek. Bon, Extreme Speed. J'ai pas le choix. Hein. Je suis sûr qu'il me paralyse au contact. Et bah voilà, je m'en doutais. Bon, c'est pas. Ouh, il m'a fait un hélicanon là. Je crois que c'est ça, il m'a fait un hélicanon. Attaque qui est obligée de paralyser. Superbe attaque d'ailleurs. Mais qui n'a pas beaucoup de précision. Jolteon, ok, on change. On appelle Fanzi. Putain. Bon. On rappelle, on appelle Dossif. Aïe. T'as bien joué ce connard. Allez, un crunch. Tabatard. Qu'est-ce que t'as qui ont ma faiblesse? Encore crunch. Encore. Voilà. Électrode, oui, on change. Bon, là, on va appeler Fanzi. Hein. Je pense qu'on peut avoir confiance en lui.
pense pas que l'électrode ait de bonnes attaques électriques. Aïe, aïe. Psycho. Un météore. Je suis même pas sûr que l'électrode apprenne des attaques électriques à part éclair. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Charge. Enfin, le truc pour charger en électrique, hein, pas l'attaque charge. Psycho. Et again, psycho. Voilà. Ok, en fait, on te fait chier. Ouh, notre ami Sylvos qui est là. D'ailleurs, qui se ramène avec la Team Rocket. Alors, ça, est-ce que c'est normal? Tu es devenu le chef de... Ah, t'es devenu le chef de la Team Rocket? Ah bon? Sylvos. Ah, l'enfoiré. Team Rocket Power. Tu veux me laisser partir? Je suis le boss à Team Rocket maintenant. Ok, il me laisse partir, c'est bon. Bon, toi, tu viens de donner l'expanded normalement. Waouh! 10 000 Poké-Dollars pour avoir sauvé. Mais c'est pas ce qui m'intéresse! Je veux l'expanded. Bon. Tant pis les amis, on va s'arrêter ici. Je sais pas du tout si tu se... Putain de tiens. Donc je chercherai un petit peu offline avant de rentamer une vidéo. Donc bah je vous donne rendez-vous pour l'épisode 30 de Pokémon Liquid Crystal. Déjà l'épisode 30, et oui. Et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et portez-vous bien. Allez, salut à tous.